J'accueille Charles Begbédé. Bonsoir, Charles Begbédé, mesdames, messieurs, le frère de mon ami Frédéric Begbédé, frère aîné, je crois que vous avez un an de plus, hein, oui. Charles, voilà. Monsieur Alors, Mme Temouille, oui. On t'a un fils. Oui. Sacha. Oui, c'est nul, c'est nul. Bien, Charles, donc, votre frère est écrivain, il vit sa vie comme un roman avant d'en faire des livres. Vous, vous êtes entrepreneur, homme d'affaires, financier. Pour lui, l'amour dure 3 ans, vous, vous êtes marié depuis 10 ans. Et vous avez déclaré, d'ailleurs, il faut que Frédéric comprenne que l'amour, c'est pas toujours glamour. Monsieur et Madame Marolex ont une fille. Ouais. Ouais. Éléonore. Ah, c'est pas mal. Éléonore Marolex. Alors, Frédéric est un mécréant. Il a fait un livre avec Monseigneur Di Falco. Vous, vous êtes un chrétien convaincu. Vous dites que vous avez été touché par la force au moment de la préparation de votre mariage. Oui. Et puis le jour du mariage, enfin, ouais. Au moment du sacrement. Vous avez un directeur spirituel, le père Raphaël. Oui. Et puis vous avez sur votre table de nuit les œuvres du cardinal Ratzinger, c'est vrai? Bah oui. Ah oui. Bah, je lis pas que ça. Ouais. J'espère pour vous quand même. Hein. C'est un peu hard. Qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Ouais, il a été promu. Alors Charles, d'abord vous avez créé une société de brokers online. C'est quoi les brokers online? Ça veut dire quoi? Bah, c'était pour boursicoter par Internet. Ouais. Donc ça s'appelait Self-Trade. Ouais. Ça a bien marché. Ça a bien marché. C'était un petit peu le symbole de la net économie. Vous l'avez revendu juste avant l'explosion de la bulle Internet. Ensuite, vous êtes tourné vers l'ancienne économie et vous avez lancé Poveo, oui. Une société qui vend de l'électricité. Tu te rends compte, Laurent? Non, non, juste. Je commande une pizza, Thierry, parce qu'il y a 20 minutes d'attente. Tu veux avec ou sans choix? Tu as faim ou pas? Dis-moi, oui. Non, j'ai pas faim. Ok, non. Bah dis-le, putain. Après, tu chouines. C'est ce qu'il a fait, lui? Oui. Il est chrétien. Ouais. Telle est sa foi. Ouais. Et il a fait du business, il a gagné plein de pognon, ouais. Il a vendu que ça se casse la gueule. Et ensuite, vous vous tournez vers l'ancienne économie et vous lancez Poveo, une société qui vend de l'électricité, ouais. Et bientôt du gaz. Alors, vous êtes concurrent d'EDF et bientôt de GDF, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a des gens comme le Stade de France, comme Air France, qui achètent leur électricité, oui. Chez vous, quoi. Il y a une cinquantaine de milliers de petits consommateurs, c'est des professionnels, des commerçants, ouais. Qui sont chez nous et qu'on fournit en électricité et en gaz. Ouais. Et pourquoi ils vont chez vous? C'est moins cher? C'est un peu moins cher. Et puis, c'est aussi, ils avaient envie d'avoir le choix. Ça faisait 60 ans qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc, ouais. Oui, avant-guerre, en France, on pouvait ouais. Acheter son électricité. Il y avait des compagnies privées. Des compagnies privées, oui, absolument. Juste, tu attires mon attention, mais je te rappelle, ce n'est pas très intéressant pour l'instant. Donc, j'aime bien que tu attires mon attention, mais il faudrait que ce soit un peu plus intéressant. C'est intéressant. Non, un mec, excuse-moi. C'est du démarrage. Un tu mec, t'échauffes. Non, Laurent. Pas, on n'est pas obligé d'être là comme ça. Laurent, écoutez. Excuse-moi. Un mec qui se pose en concurrent d'EDF. C'est énorme quand même, non? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on obtient quand on croise un bulldog et un caniche? Un caniche mort. Il y en avait 2-3 finalement. Donc, alors le gaz. Alors, on a beaucoup parlé de vous récemment, Charles Begbédé, car vous avez été candidat à la présidence du MEDEF pour succéder au baron Seyère. Mais finalement, vous avez décidé de vous rallier à la candidature de la présidente de l'IFOP, Laurence Parisot. Oui. Donc le 7 juillet, on saura si votre candidate est élue. Exactement. Non, mais j'ai trouvé qu'elle avait un discours qui incarnait les valeurs auxquelles je crois et qui était proche de mes idées économiques. Ouais. Et puis en plus, je trouve que c'est un message très fort qu'une femme soit la patronne ouais. des patrons. Ouais. Ouais. C'est bien pour le MEDEF. Voilà. Laurent, pas mieux. Alors, le prochain président du MEDEF, avez-vous dit, doit absolument faire de la pédagogie. Alors, on va en faire un peu ce soir. Comment sortir de la situation actuelle? La France, qui a quand même le plus haut taux de chômage en Europe, je crois, non, aujourd'hui? Oui. Oui. Ouais. Plus de 10%. Ouais. Et puis surtout, dans certaines zones, c'est presque 50%. C'est dramatique. Bah oui, alors vous êtes un libéral. Donc, quand vous dites moderniser le droit du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement l'adapter. Il n'y a pas de tabou. Hein. Face à de tels problèmes économiques et ouais. un taux de chômage aussi élevé, il faut qu'on se bouge et qu'on essaye de trouver des solutions. Et on ne peut pas rejeter des idées parce qu'elles sont libérales ou parce qu'elles sont sociales d'ailleurs. Donc il faut simplement agir. Il n'y a pas de politique de droite ou de gauche. Il y a des politiques qui marchent ou qui ne marchent pas. Et il faut, je crois maintenant, il est temps d'essayer de faire des choses qui marchent et qui permettent de créer des emplois. Donc vous, vous êtes pour un assouplissement de l'embauche et du licenciement?
Voilà, exactement, pour une modernisation, une adaptation du code du travail qui est très rigide, surtout pour les toutes petites entreprises. Mmh. Et là, le nouveau gouvernement, d'ailleurs, a annoncé un nouveau type de contrat de travail qui alors, m'a l'air intéressant. Alors, vous en pensez quoi du contrat de nouvelle embauche de Villepin? C'est-à-dire que pendant 2 ans, on peut virer les gens comme ça, quoi? C'est pas parfait, évidemment, mais c'est un bon signe, quand même, surtout pour les toutes petites entreprises. Je crois qu'il faut aller plus loin aussi, parce qu'il n'y a pas que les TPE, il y a aussi les PME. Et puis, il faut aussi donner plus de carburant aux entreprises. Et on n'a pas du tout, là, traité ce problème. Il faut qu'on leur donne plus de moyens financiers pour qu'elles puissent recruter, lancer de nouveaux produits, faire de la recherche, innover. Et là, il y a encore beaucoup à faire. Les charges sociales sont beaucoup trop élevées en France. Ouais. Et c'est dommage. Alors, autre mesure pour vous, il faut supprimer l'impôt sur la fortune. Car vous dites que ça fait partir les capitaux à l'étranger et que c'est un impôt suicidaire. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. On peut penser que c'est bien d'avoir un impôt sur les grands patrimoines qui leur permettent de contribuer à la solidarité nationale, mais en même temps, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'investissement des entreprises et donc de la création d'emplois. Ouais. Donc là, il faut mettre à plat cet impôt, voir si on ne peut pas l'adapter pour éviter que ça fasse partir des entrepreneurs, des gens effectivement qui ont réussi et qui vont aller développer des emplois en Belgique. Vous pensez globalement que la meilleure façon de sortir la France de la crise aujourd'hui, c'est le libéralisme, c'est la dérégulation. Je pense, oui, franchement. Je pense que pendant trop longtemps, on a fait le nini, ni libéral, ni social, et qu'on a eu et les impôts et le chômage. Mmh. Et donc là, essayons le libéralisme un peu plus, essayons de libérer un peu les énergies, permettre aux entreprises de se développer. C'est elles qui financent le chômage, la sécurité sociale, qui financent tout ce à quoi les Français sont si attachés. Eh bien, il faut leur donner les moyens de se développer.